Mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous retrouver chaque lundi pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, c'est le 25e numéro. On reviendra notamment sur l'élection de Habib Labane à la tête de la Fédération algérienne de handball. La sélection nationale de jeunes de natation termine sur le podium avec 19 médailles dont 5 médailles d'or. Basketball, après 2 mois d'arrêt, la Super Division A reprend ses droits avec notamment 4 beaux derbys au menu dans l'affiche Nassau du Sindé, Gest Pétrolier, qui n'a pas tenu hélas ses promesses. Chez les dames, on connaît désormais celles qui animeront les playoffs, le Gest Pétrolier, Hussein des Marines, JF Kouba et le MTC Tif, l'Olympique Club d'Alger, le grand absent de ces playoffs. Et puis on vous fera découvrir l'ambiance du 18e tournoi Hammouten de handball qui s'est déroulé à Tizi Ouzou le vendredi. Tout cela comme chaque lundi avec nos invités et bien évidemment nos collègues, à commencer par Abdennour Belkhir, notre consultant élégant. Bonsoir Abdennour. Bonsoir Mortar, bonsoir amis sportifs. Wahid Abdelhoua, qu'on retrouve comme chaque lundi, spécialiste dans pas mal de disciplines. Bonsoir. C'est un honneur, bonsoir de vous rencontrer chaque semaine. Chaque et puisque lundi. Vous parlez d'honneur, nous avons l'honneur de recevoir ici sur le plateau de 52 chrono le nouveau président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, qui nous fait le plaisir d'être avec nous 2 journées après son élection. Bonsoir Habib. Bonsoir Mortar, tout le plaisir est pour moi. Et bonsoir à tous les auditeurs de Canal Algérie. Et c'est certainement avec grand plaisir que vous retrouvez la famille de handballistique, on va dire. Sûrement. Bon, je l'ai quitté en 2012 avec beaucoup de pincements au cœur, mais je la retrouve avec beaucoup de joie et de gaieté en 2017. Vous avez trouvé une certaine ambiance différente, on va dire. Un peu différente, mais c'est toujours... Bon, et un plaisir de retrouver des gens qu'on a toujours côtoyés dans la discipline et aussi à la fédération. Vous avez déclaré à la presse algérienne que vous étiez forcé de quitter en 2012 la fédération algérienne. Qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci de changer d'avis, de revenir, surtout avec cette ambition de briller, plutôt être président de la fédération? Bon, j'ai pas changé d'avis, mais bon, je pense que c'est un défi que tous les handballeurs, il y a un défi que tous les handballeurs doivent relever. J'ai été sollicité, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur aussi que j'ai été élu à la tête de cette fédération. Et j'espère qu'avec l'apport de tous les gens qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, j'espère que et tous les autres aussi, c'est parce qu'il s'agit d'une discipline qui recèle beaucoup de compétences et beaucoup de gens d'un certain niveau. J'espère et je pense pouvoir relever avec eux, avec tout le monde, le défi qui est déjà dans un premier temps, très prochainement, le championnat du monde qui se pointe à l'horizon. 2021. Abdennour Belkhir, est-ce qu'on peut dire que surtout le respect des étapes d'un cursus pour l'actuel président est un peu respecté, puisqu'il a été joueur, il a été entraîneur, il a été secrétaire général, également, et là il se retrouve président. Oui, finalement, ce n'est qu'un juste retour aux sources. Monsieur Labane a d'abord, qui connaît pratiquement l'ensemble des arcanes du handball, là, il est jeune, mais il a roulé sa bosse, et il a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité au sein même de la structure fédérale. Et je pense que c'est avec pratiquement beaucoup d'ambition qu'il pense mener à bien sa mission. Je suis sûr qu'il a déjà
assez bien défini sa ligne de conduite directrice. Il a des idées plein la tête, des idées arrêtées au sens propre et figuré. Et je veux pour preuve son ambition de professionnaliser peut-être très prochainement professionnaliser les clubs algériens, la fédération. Et puis il a comme ambition surtout première celle de réunir la grande famille du handball algérien sans distinction aucune, et je pense qu'il a toutes les compétences requises pour mener à bien cette mission qui, je suis sûr, qui pour lui n'est pas une mince affaire, hein, parce qu'il va pas, c'est un peu sur le fil du rasoir qu'il va peut-être essayer de travailler, mais compte tenu de la sincérité qu'il affiche, je pense que les gens, et il aura besoin de la conjonction de toutes les bonnes volontés pour mener à bien, parce qu'il n'a pas une baguette magique, hein, lui il va s'adosser à une vision personnelle saine, mais il a besoin de l'apport et d'engagement de tout le monde pour réussir à remettre sur les rails le handball algérien qui a, il faut le dire, qui a été secoué à maintes reprises par les turbulences qui ont freiné quelque peu l'enthousiasme de tout un chacun. C'est un bon plaisir. On lui souhaite, nous également, une réussite dans ce domaine. Vous avez pratiquement suivi l'évolution du handball pendant ces 25 dernières années. Vous avez connu pas mal de présidents. C'est lourd à porter, quand on est jeune, la casquette de président de fédération, surtout quand on succède à un grand monsieur comme Saïd Bouamra. Moi, je pense que c'est peut-être par rapport à l'expérience aussi. C'est une tâche très très difficile, je dirais, très lourde. Si l'Assemblée générale ou la famille du handball ne marche pas, ne va pas dans le même sens du président. Parce que si le président a un programme, bien sûr, il sollicite l'Assemblée générale, qui sont les clubs, les ligues, tous les joueurs, tous les responsables aussi, les techniciens. Donc, s'ils partagent le même avis, et s'ils vont dans le même sens, ça va avancer. Et si c'est le contraire, je pense que ça sera vraiment difficile. Et je dirais aussi que la jeunesse aussi joue un rôle, parce que M. Laban, voilà, il est encore frais, il n'a que 49 ans, donc il est au milieu du parcours. Moi, je pense qu'étant joueur, étant entraîneur, étant aussi secrétaire général, avant d'être secrétaire général, il présidait la commission du développement du handball au niveau de la fédération, la direction de formation, la direction de développement. Donc, il a touché un peu les lignes, il a touché les associations, donc il est au courant de tous leurs problèmes. Et étant aussi secrétaire général, qui n'est pas une mince tâche, le secrétaire général dans une fédération, c'est lui qui doit tout faire et qui surveille, qui doit veiller à tout. Et il doit être à l'heure, il doit être le premier présent avant le président même. Et je pense que sur ce plan, je pense que Habib Laban, il a cette qualité. Il vient avant les autres et il termine très tard. Donc on juge que c'est un bosseur. Et Inch'Allah, il pourra rassembler la famille du handball qui est vraiment déchaînée. Là, apparemment, le mode d'emploi pour réussir, puisqu'elle connaît le handball. Vous sentez un petit peu la difficulté de la tâche qui vous attend? Sûrement, je l'apprends autrement. Je vais vous dire. J'étais à la fédération. On a fait beaucoup de travail. Peut-être qu'on a fait de bonnes et peut-être de mauvaises choses aussi. Pendant un parcours, je pense que les gens, mis à part les gens qui ne travaillent pas, les autres, c'est des gens qui font de bonnes et de mauvaises choses. J'ai pris un recul de 5 ans par rapport au handball. J'ai vu autre chose. J'étais dans le football. J'ai vu autre chose. Et là, je viens avec pratiquement une autre idée de ce qui doit se faire. Ça a été bénéfique, le recul ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, même si j'étais pas en activité dans le handball,
mais je suis membre de la Confédération africaine, je suis membre de la Fédération internationale. Donc, à travers les dernières prestations de nos équipes nationales, parce que même si j'étais pas à la fédération, mais je participais parce que j'étais de l'autre côté, je voyais les choses comment se passer, et il y a beaucoup de choses qui ne devaient pas se passer de cette manière-là. Donc avec ce recul, je pense qu'il y a déjà des idées fixes qui doivent se faire. C'est vrai que ça doit se faire avec l'apport de tout le monde. Celui qui prétend pouvoir relever le défi tout seul, je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas comment ça devrait se passer. Parce que quand on a travaillé, quand on a côtoyé les gens, on sait qu'il y a un mode d'emploi qui n'est pas figé, qui est basé sur une situation actuelle déjà, parce qu'on ne peut pas parler de 2010, en 2017, on ne peut pas parler de 2010, c'était une situation, et là maintenant c'est une situation. Je pense que les choses ont évolué, pas forcément dans le bon sens, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire très très rapidement, parce que avec l'apport de tout le monde, avec l'apport de toutes les compétences, je pense qu'on va y arriver. Vous restez avec nous, vous connaissez le principe de 52 chronos et également et surtout les autres disciplines, et ce qui a fait la une cette semaine, le jingle, on se retrouve juste après. À la une de ce 25e numéro de 52 chrono, la prestation, l'excellente prestation de nos nageurs, nos jeunes nageurs au championnat d'Afrique de jeunes, donc clôturé samedi au Caire. C'était avant-hier avec une belle troisième place, 19 médailles au total, Wahib Abdelhouad, dont 5 en or, 3 argent et 11 en bronze. On est tout simplement fiers de nos jeunes aujourd'hui. Bien sûr, du moment que dans un championnat d'Afrique junior, on se classe à la troisième place, et on sait pertinemment que le niveau africain est très élevé, surtout avec l'apport des Sud-Africains qui sont en Afrique, ce sont les meilleurs. Il y a les Égyptiens aussi, il y a les Tunisiens, et on se classe avec 19 médailles dans 5 en or et 3 établis par le jeune Arjun Abdallah de l'ASPTT, et deux obtenus aussi par le Nassif Balaman, le jeune nageur de l'NRDI, donc Nadi Riyadi de Deli Ibrahim. Donc ça prouve aussi qu'il y a des clubs qui sont en train de former et d'alimenter les équipes nationales. Donc c'est une preuve des clubs qui sont en train de travailler au niveau des jeunes. Donc ces clubs sont à féliciter, et surtout les résultats qui viennent des athlètes ou bien des nageurs qui ont réussi à avoir aussi des records de seniors, comme Arjun Abdallah de la SPTT, qui est un jeune majeur né en 2001, il n'a pas encore. Il a fait 16 ans, avec Balaman ou Semounsef. Mais la spécificité de Arjun, c'est qu'il a eu 3 médailles d'or. Il a eu une tentative de record dans le 50 nages libres, dans un bassin de 50 mètres. Donc dans le 50 nages plutôt d'eau, il a fait un record. Une performance de 26 secondes 73 centièmes. Et le record d'Afrique, il était à 26,71, donc à 2 centièmes de seconde seulement. Et il a battu le record d'Afrique. Il a battu le record d'Algérie dans le 100 d'eau. Oui. Le record d'Algérie, il appartenait en 2009 à Nofel Ben Abid. Il était de 57 secondes 80 centièmes. Et Arjoum a fait 57 secondes 22 centièmes de seconde. Donc c'est un record d'Algérie au 100 d'eau, dans le bassin de 50 mètres olympiques. Olympique. Et le record d'Afrique en junior, il l'a eu dans le 200 d'eau, avec une performance de 2 minutes 5 secondes et 14 centièmes de seconde. Mmh. Là, c'est un record d'Afrique. Il appartenait à un Sud-Africain. Il l'a battu en catégorie junior. Il a battu le record d'Algérie en senior
dans le 100 mètres d'eau. Et si vous vous rappelez, dans une émission, on a couvert les championnats interclubs, oui. et dans un bassin de 25 mètres, donc les dimensions sont pas les mêmes repères. Et Arjoun a battu le record d'Algérie. De 100 mètres et du 200 d'eau. Donc, il a battu deux fois le record d'Algérie de 100 mètres d'eau et du 200 mètres d'eau. Donc, c'est un jeune à encourager. Deux noms à retenir, Balaman et Arjoun. Balaman, il a eu deux médailles d'or dans le 50 et 100 nages libres. C'est des nageurs à prendre en charge avec d'autres nageurs, bien sûr, du Médéryadé, de Dede Ibrahim, des BTT et même de Sahel Club Nautique d'El Bia. Abdelhamid Belkhir, notre consultant, contrairement à d'autres présidents de fédération, Bougabou Abdelhakim, l'actuel président, le nouveau président, parle carrément de vitrine de la natation algérienne. Je parle de l'équipe nationale jeune. Oui, alors que d'autres fédérations, président de fédération, évoquent surtout les seniors. Oh, lui, c'est ce qu'il dit. Hein. Il parle en connaissance de cause et il est carrément impliqué. Il est entré de plein pied dans sa mission. Je pense que ce qu'il dit est assez crédible aux yeux des observateurs et des connaisseurs de la natation. Se classer troisième derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui sont quand même à quelques brassées de nos athlètes, c'est quand même un résultat assez flatteur. Mais il se trouve hélas que ces jeunes Algériens, parce qu'il y a des potentialités, il faut le dire, c'est nos jeunes nageurs éprouvent bien souvent des difficultés à mener à bien leur travail, leur entraînement, dans des conditions plus ou moins pénibles souvent, avec des piscines qui sont pratiquement saturées et dont l'entretien laisse à désirer. Et aussi, ils ont des difficultés, il faut le dire, et ils ont des difficultés à mener à bien les études de sport. Parce que la natation reste, comme tout à chacun le sait, une discipline très difficile et éreintante qui demande un maximum d'efforts. Et bien souvent, les jeunes nageurs s'entraînent au rythme de 2 à 3 séances par jour, ce qui n'est pas peu. Et pour cela, il faudrait que les clubs, véritables cellules nourricières de l'équipe nationale, bénéficient quand même. Il faut leur accorder les moyens qu'il faut. De plus d'intérêt. Et bien souvent, les couloirs sont surutilisés et on trouve 40, 50, 60, 70 athlètes majeurs dans le même couloir. Donc c'est quand même un problème qui se pose avec énormément d'acuité et que les responsables doivent régler en considération. Le plus tard possible. Voilà, bravo encore une fois pour nos nageurs qui ont participé à ce championnat d'Afrique. Je rappelle la moisson, 19 médailles dans 5 en or. Le jingle événement et on se retrouve pour ce qui a fait l'événement, bien évidemment. Et sans conteste, l'Assemblée Générale élective de handball, le deuxième sport collectif et populaire en Algérie, a fait l'événement Hebab Al-Houa. C'était samedi à l'ITS de Aïn Benyane. Oui, bon, il y a eu l'Assemblée Générale élective avec la présence de, sur les 100 membres de l'Assemblée Générale, la présence de 91 membres. Il y a eu deux candidats, M. Habib Laban et M. Dovr Khalifi. Donc la course vers l'élection, bon, les élections se sont déroulées donc, dans des conditions, disons, un peu au début, un peu perturbées, déjà par le recours d'abord des membres du bureau précédent, sortant. Et il y a eu l'élection, bon, donc il y a eu, à la fin, il y a eu l'élection de M. Habib Laban sur les 91 voix. Il a récolté donc 63 voix contre 22 pour M. Khalifi Toufik. Et 6 bulletins nuls. Donc, on félicite le président de la fédération élue, M. Habib Laban, qui se trouve déjà sur notre plateau. Et bon courage aussi aux autres prétendants à la présidence. Pour la suite, bien évidemment. 63 contre 22 pour Toufik Khalifi. Vous attendiez, M. Habib Laban, à cet écart? Bon, s'agissant d'élections d'urnes, on ne peut pas vraiment s'attendre à quoi que ce soit. Mais je pense que le travail a été fait bien avant et
Surtout, il y a le fait, peut-être, ça doit être mon passage à la fédération qui a fait la différence maintenant. Parce que les gens, tous les membres de la Assemblée générale, pratiquement, c'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai connus, avec lesquels j'ai déjà travaillé. Et je pense que ça, ce n'est qu'une reconnaissance d'un travail peut-être qui a été apprécié par ces mêmes membres. Et, alhamdoulilah, je pense que... Est-ce qu'il y a eu un travail de votre part durant la période électorale ou bien vous avez laissé faire les choses ? Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour moi, qui m'ont aidé dans ma campagne. Parce que, je vais vous dire, ma décision de prendre ou bien de déposer ma candidature n'a été prise que 3 jours avant la clôture des délais pour la candidature, pour le dépôt de candidature. Mais avant, il y a beaucoup de gens qui ont cru en moi, qui m'ont sollicité et qui m'ont presque harcelé pour que je dépose ma candidature. Finalement, ils ont eu gain de cause et vous êtes présenté. Voilà. Vous avez bien fait de faire les choses. Il y a eu des mécontents à Ibab al-Houa, notamment le second candidat qui a obtenu 22 voix. Il s'agit de M. Tawfiq Khalifi. Oui, M. Tawfiq Khalifi qui a 50 ans, donc pratiquement une année de plus. Bon, il était aussi, lui aussi, ancien joueur dans les années 80. C'est un architecte de formation. Il a présidé, il était SG, secrétaire général du club Boufarik. Il a fait partie aussi du bureau fédéral de 2009. Il était avec vous. Voilà. Donc, c'est des personnes qui se connaissent véritablement. Il était aussi, il était candidat aussi en 2013. Il a été battu par une seule voix en 2013, donc c'est sa deuxième candidature, donc il est fier. Il dit que je suis fier déjà d'avoir la confiance de certains, bien sûr, d'un grand nombre aussi de l'Assemblée Générale. Mais il présente son mécontentement. On va l'écouter. On va l'écouter, M. Khalifi, au micro de Ibab al-Houa. Qu'il y aurait un bulletin unique pour les deux candidats. Le haq البارح في الليل بداو شويه الحال الناس تخلط. اليوم صباح ce matin même تفهموا se sont mis d'accord pour couper parce que le bulletin était déjà prêt. Ils ont coupé le bulletin. Les gens, je comprends les membres de la GED, je les comprends. Ils étaient menacés. On leur a demandé de ramener le bulletin de tout faire. Il y a des gens qui sont venus m'en parler. Je leur ai dit prenez le bulletin. Ne pas crier. Voilà, déclaration de M. Khalifi, la réponse de l'actuel président par rapport à ces dires, déclaration. Je pense qu'il y a une réglementation, il y a une commission de candidature qui a géré ces élections, il y a la présence de tous les médias sur place, il y a la présence de cadres centraux du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et aussi, je pense que s'il y a quelque chose à faire, il y a les voies de recours. Il faut rester dans la réglementation. Tout simplement. Tout simplement. Vous êtes rapproché également, Ibab al-Houa, du président sortant, Saïd Gamra. Oui, le président sortant, moi j'ai demandé son avis sur le futur de la fédération. Il a exposé aussi un peu le travail qui a été fait auparavant, c'est dans la réglementation surtout, c'est de revoir les statuts des clubs, de la fédération, et c'est le côté technique, il le laisse à M. Labanne. On écoute M. Saïd Gamra. Je crois que l'aspect méthodologique est important, très important. Nous n'avons plus pu nous consacrer à ça parce que nous avons tout orienté sur les problèmes des textes. Vous savez que les textes, ils étaient en décalage depuis 2002, donc nous avons donné la priorité à cela. Nous avons réhabilité tous les textes, les statuts de la fédération, le règlement intérieur, les règlements généraux, le statut des ligues de wilaya, des ligues de région. Donc ça a été un travail qui nous a demandé quand même un certain nombre de temps. Et maintenant il faut peut-être passer à une autre étape, celle qui approche beaucoup plus les problèmes techniques. Et ça, c'est intéressant.
Voilà, réhabilitation des textes, c'est ce dont vous avez hérité de du bureau sortant. Bon, les textes existent et les textes doivent changer selon la situation du moment. Donc, je pense, bon, il y a eu un travail qui a été fait sûrement par M. Bouamla, qui est un grand président, qui est une figure du handball algérien. Et maintenant, s'il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire sûrement, on va les faire. Voilà, tout simplement, bref et précis, monsieur Habib Laban. On va rappeler les membres du bureau, donc vous êtes le président, Habib Laban. Les membres, il s'agit de Abdeltif Kahouadji, Abdelkader Qadi, Saïd Doubala, Abdelmajid Bouzid, Tej Ikash, Riyad Salhi, Mansour Belghoul, Rabah Djelamid, Zeridi Douniazad, Naïm Bougra, Lamine Sharifi et Idriss Sawi. Une seule femme dans votre bureau? C'est des élections. Il y a eu deux femmes qui se sont présentées. Et c'est une élection entre les deux. Parce qu'il faut savoir que c'est une exigence qu'il y ait une femme au sein du bureau. Qu'il y ait deux femmes là-bas, ou bien il y a une seule femme. Au moins une femme. Au moins une femme. S'il y a deux, c'est pas un problème. Mais une, elle doit y figurer. Voilà. Les doléances des autres membres de l'Assemblée Générale, notamment des techniciens, qui souhaiteraient bien évidemment vous adresser par le biais de la télévision algérienne. Pour aller peut-être dans le même sens. Monsieur Bouamla a parlé de la méthodologie. Très bien. Donc, on a assisté à déjà le programme de Monsieur Laban. Déjà dans le programme, il parle aussi de conseil. Il parle du conseil, un conseil fédéral et un conseil méthodologique qui va regrouper les compétences du handball. C'est dans ce sens que, parce que quand on a discuté avec M. Bouamla, il m'a dit que le collège existait au niveau du bureau précédent, mais il n'a pas fonctionné. C'est par rapport au texte, c'est par rapport au travail qui a été fourni au début. Donc, l'explication de M. Je ne sais pas, je ne peux pas. Le Conseil fédéral, c'est une structure que j'ai proposée aux membres de l'Assemblée générale et Inch'Allah qu'on va mettre en place parce que je vais vous dire. Actuellement, le handball a besoin de toutes ses compétences, que ce soit sur le plan technique ou bien même sur le plan de la vision du projet handball qu'on doit mettre en place très rapidement pour revenir déjà à notre niveau et dépasser notre niveau, parce qu'on ne doit plus se contenter aussi de ce qu'on a fait auparavant. Il faut qu'on avance. Donc le Conseil fédéral, c'est un espace dédié à toutes les compétences en dehors du technique, parce qu'il y a l'autre volet qui est le collège méthodologique fédéral. Donc le Conseil, on va faire appel à tous les gens qui peuvent apporter ou bien qui peuvent nous conseiller. Je parle pas de techniciens, je parle de vieux routiers du handball. Ceux qui ne font pas partie de l'Assemblée générale. Qui ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée générale. Voilà. C'est une porte ouverte à toutes les compétences. Voilà. Je parle de toutes les compétences. Je ne parle plus de bureau fédéral ni d'Assemblée générale, mais je parle de tous les gens qui activent au niveau du handball, que ce soit au niveau de la base, au niveau des structures, je veux dire les ligues régionales, au niveau de la fédération. C'est des gens, s'il y a des gens qui peuvent ou bien qui voudraient apporter ne serait-ce qu'une idée pour développer le handball, elle sera la bienvenue. Sur le plan technique, le collège méthodologique, c'est vrai que sur les textes, il existe. Mais le problème, c'est la mise en œuvre ou bien la mise en pratique de ces textes qui est problématique des fois. Donc, on va faire appel à toutes les compétences techniques
qui peuvent apporter, bien qu'ils peuvent nous aider dans la prise de décision, à rejoindre ce collège méthodologique pour avancer et pour avoir une stratégie commune. C'est dans ce sens, pardon, Ahiba, que deux présidents de club, à savoir M. Belaouchani Mourad et Yassine Alouet, président de la GSU Skikda, présentent leur doléance au nouveau président, toujours au micro de Ahiba Belhou. Bon, on avait déjà la présence, elle était importante. Ça veut dire que la discipline, le corps qui lui doit dire, mais elle fait un masque, les habits, tout ça, sont encore plus loin. Je souhaite que le nouveau président, avec son nouveau bureau, fasse appel à toutes les compétences nationales dans l'intérêt de la petite balle et pour remettre sur pied le handball qui est en mauvaise posture. Donc cet appel, personnellement, je ferai tout pour qu'il soit réalisable. C'est un message que j'adresse au nouveau président de la fédération. Merci. Ah, c'était Yassine Alouet, c'était qui lançait son message au président de la fédération. Il va dans le même sens pratiquement de ce que vous disiez à un instant. Oui, bah. Peut-être juste une petite question à M. Laban. Est-ce que votre programme, il dépend vos idées, c'est-à-dire le fait de présenter, de demander aux conseillers, aux techniciens, les vrais techniciens du handball, de... Vous faites appel à ces techniciens pour apporter un plus à la discipline. Est-ce que c'est par rapport au statut de la fédération, de l'Assemblée générale, qui est composée généralement de personnes qui ne sont pas de la discipline, parce que les statuts ont exclu quelque part les techniciens. C'est-à-dire les techniciens, actuellement, ils ne peuvent plus donner leur voix à l'Assemblée générale. Ce n'est pas par rapport à ça. Si la composante de l'AG était plus composée de techniciens, peut-être qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes de toutes les disciplines. Hein. Je ne parle pas uniquement de handball. Non, il faut savoir déjà que l'Assemblée générale, elle se réunit une fois par an. Mais sur le plan pratique, c'est pas une fois par an qu'on va prendre des décisions ou bien qu'on va rectifier nos tirs. Donc, le collège méthodologique, c'est une structure qui va travailler de manière permanente et de manière permanente et régulière. Donc, on a besoin à chaque fois, parce que on peut maintenant lancer une idée, mais dans 15-20 jours, peut-être qu'il faut la rectifier, peut-être qu'il faut l'orienter, peut-être. Et c'est ça l'importance d'une structure qui travaille de manière permanente et qui, surtout dans un début, après quand la machine est lancée, je pense qu'on va surtout se focaliser sur certains détails qu'on doit rectifier. Mais dans un premier temps, il faut bien lancer la machine, il faut bien la lancer dans le bon sens. Voilà, donc vous restez avec nous, on passe à d'autres disciplines, on va revenir notamment surtout à une DTN solide en matière de handball. On va parler à présent de basketball et le retour à la compétition après 2 mois d'arrêt par rapport à la préparation de l'équipe nationale à l'Afrobasket. C'était la 9e journée, la première journée de la phase retour dominée par un big match, du moins c'est ce qu'annonçait le programme de la 9e journée entre le NAS du SND et le GS Pétrolier, puisque souvenez-vous, à l'aller, le match s'était soldé par une victoire de 2 points d'écart en faveur du GSP 77-75. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, comme vous allez le découvrir à travers ce reportage. De 2 points d'écart au match aller, on est passé à 42 au retour dans ce qui constituait l'affiche de la 9e journée entre le NAS du SND et le GS Pétrolier. Je suis content pour mes joueurs parce que après le match aller où on avait fait une mauvaise prestation, tout le monde avait dit qu'on était une mauvaise équipe. Et aujourd'hui, on prouve qu'on n'est pas une si mauvaise équipe que ça, même si on a encore beaucoup de travail. Et la réponse est sur le parquet que les protégés de Nicolas Mistelman la donnent. Un groupe bien préparé pour cette seconde phase, contrairement à l'adversaire qui n'a pas été épargné par les blessures. Vous avez remarqué qu'on n'a pas eu de chance, on avait une très bonne équipe, un effectif très riche. Dommage que les meilleurs les joueurs, c'est des piliers de l'équipe, hein, tels que Belich Ben Braham, ils sont blessés avec un tendon d'Achille. Je pense que vraiment, mais on essaye d'Inch'Allah de les récupérer, Inch'Allah, les playoffs.
Le NED ne tiendra finalement qu'un seul carton où les camarades de Zaki Germat tentent de résister et surtout d'empêcher le 5 pétrolier de prendre son envol. 19-21 était le score du premier quart. Et ce n'était que partie remise puisque les camarades de la nouvelle recrue Mehdi Chériette parviennent à distancer les 100 et or qui pêchent en défense et au lancer franc. À la pause, on est déjà à 12 points d'écart, 32-44. Habitué aux remontées, le NED n'avait pas ce jour-là assez de ressources pour recoller au score. Et c'est une machine bien huilée, celle du GSP, qui carbure à plein régime pour faire augmenter l'écart à 20 points. Et 2 heures du troisième carton, 49-69. Et dans l'ultime quart, Mistelman se permet de faire tourner son effectif et faire de cette affiche un match à sens unique. Et ce n'est pas le score final de 104 points à 62 qui nous dira le contraire. Oui, de toute façon, on s'attendait parce qu'on ne s'est pas entraîné. Ça fait 2 jours que les joueurs ils sont. Bon, on dit qu'ils étaient en grève, mais malgré même 2 mois d'arrêt, les joueurs ne s'entraînaient pas régulièrement. On avait des problèmes, on a des problèmes financiers. C'est pour ça qu'on ne s'est pas entraîné. On s'est entraîné hier. Et malgré ça, avec 4 joueurs blessés, vous avez remarqué qu'on a aligné 4 joueurs juniors. Même en junior première année, on n'a jamais joué en senior. Ce match-là, c'était pas très important pour nous. Mais c'est ça parce qu'on a un match très important le samedi, Coupe d'Algérie. Ça ne reflète pas trop la physionomie du match. Après, bon, voilà, je pense qu'ils ont craqué au milieu du troisième et sur le quatrième carton. Et malgré notre victoire de 40 points, je pense qu'on a beaucoup d'axes encore à travailler, surtout sur le plan mental, parce que dans le troisième carton, quand on se retrouve à plus 20, le match, on doit le terminer. Et là, encore une fois de plus, on les laisse revenir à 10 points. Le deuxième carton, on a su comment bien défendre. C'est pour cela on a eu l'écart de 12 points. C'est avec cet écart-là, on a pu jouer tranquillement pour le reste du match. Troisième et quatrième carton, on a eu jusqu'à 20, 30 points. Donc, c'était presque tranquille pour nous ce match. Ah, une affiche qui n'a pas apparemment, chose est sûre, pas apparemment tenu ses promesses puisqu'on s'attendait à un match très disputé entre les 100 et or et le GS Pétrolier. Au sein de cette équipe du GSP, il y a une nouvelle recrue, il s'agit de Mehdi Chérif qui évoluait en Pro B en France. Eh bien, les pétroliers ont jugé utile de ramener un pivot dans un poste donc très important. On va l'écouter, il nous livre ses impressions, c'était juste après le match, sur le championnat national et surtout sur son transfert. On l'écoute. C'est très bien qu'on ait pu gagner ce match quand même. On a gardé notre sérieux, même dans la difficulté. On a vu beaucoup de joueurs dans la difficulté. Moi-même, je suis en difficulté. Et on a su garder notre sérieux quand même, continuer à travailler. Et on a réussi à gagner par 40 points, donc c'est très bien. Content de rejoindre le championnat national et surtout cette équipe du GSP, la meilleure du moment, la mieux structurée. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton transfert, puisque tu n'as pas beaucoup joué, on va le dire, cette saison? Oui, moi ça fait un an et demi que je galère un peu dans mon club en France. Et là, donc je suis très très content de retrouver du temps de jeu, de retrouver de l'ambition dans un club qui est un grand club algérien. Et ouais, c'est sûr, ça me fait vraiment plaisir de me remettre au travail. Compte sur cette deuxième partie du championnat pour te relancer, sur relancer surtout ta carrière. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais, complètement. Me remettre en condition physique, dans le rythme, me remettre en confiance, retrouver mon jeu, tout ça, ouais, c'est ça. Alors, on va souhaiter bonne chance à la nouvelle recrue du GSP, Mehdi Chériette, qui a été auteur d'une très très belle prestation au dernier Afro-Basket. C'était en 2015 avec notre équipe nationale. On reste avec le basket pour parler d'une affiche plus intéressante encore qui s'est déroulée dans la même salle entre le NB Stawali qui accueillait le CR Béda, le NB Stawali qui joue pour tout simplement garder ses chances pour la qualification au tournoi Playoff. Les locaux qui commencent en force en prenant un bel écart de 9 points, 24-15 au premier carton, ensuite 11
au second, grâce notamment à la réussite des shoots à 3 points signés Sidali Gharib à la pause. On est à 43-32, ça c'est le shoot de Sidali Gharib. Grosse ressemblance avec le joueur anglais Wayne Rooney. Et le CR Bedalbeda qui se révèle au troisième carton pour réduire l'écart. 53-49, c'est le score au troisième carton avant de sortir le grand jeu au quatrième et coiffer sur le fil l'équipe du MB Stavali 78-76. Là, vous voyez comment l'équipe de Dalbeda est revenue au score. Victoire donc sur le fil du CR Bedalbeda 78-76 qui lui permet donc de conserver son fauteuil de leader dans la poule B. On écoute à présent les impressions des deux coachs et on revient juste après. Le match d'aujourd'hui, on savait qu'il sera difficile, surtout quand on a une équipe de Stawali qui voulait gagner cette rencontre parce qu'il espère classer parmi les quatre premiers. Et nous, on a joué notre jeu. C'est vrai, les deux premiers cartons, on n'a pas très bien tourné. Enfin, on n'a pas très bien géré la rencontre. Mais troisième et quatrième, on a su défendre. On a su défendre et porter en contre-attaque. D'où on a réussi à ramener les points de cette rencontre. Ouais, on a fait un bon match. Trois cartons très bien. On menait presque tout le temps, presque tout le match. Mais on manquait un petit peu l'expérience. Et en même temps, on n'a pas beaucoup travaillé ces deux mois-là, ça a été une trêve difficile pour nous. En plus, il y avait la salle qui a été mise à la disposition de l'équipe nationale, plus leur entraînement de sélection des étrangers, plus les tournois de la Ligue. C'est un peu difficile, mais on a géré, on méritait de gagner. On a fait quelques erreurs à les deux dernières minutes et deux pertes de balles, la remise vers notre zone. Mais je pense que c'était un bon match dans l'ensemble. Apparemment, à Bener Belkhir, les places vont coûter très cher lors de cette seconde phase, le début de la phase retour avec cette neuvième journée et les journées à suivre. Oui, d'abord, si vous permettez, je parlerai du deux matchs en question, Stawali et Dalbeda, oui, qui avaient pris pratiquement deux écoles de basket qui, depuis des années, ont prouvé leur valeur en matière d'émergence de jeunes talents. C'est pratiquement une des plus belles rencontres que l'on a pu assister cette saison. Pour le reste de la compétition, comme vous le dites si bien, il faut s'attendre à des chaudes empoignades compte tenu du nivellement des valeurs, hormis peut-être Dalbeda et puis bien entendu le GSP. Le reste des formations se tiennent au coude à coude et je suis sûr que le niveau qui est prêt pratiquement entre les équipes permettra au basket algérien d'être fouetté et puis c'est tout le bonheur que l'on souhaite aux amoureux de la balle au panier. Il y avait quatre beaux derbys, il faut le rappeler, lors de cette neuvième journée. Basketball féminin est la 13e journée dominée par une affiche à Hydra entre l'Olympique Club d'Alger qui jouait pratiquement sa dernière carte de qualification en play-off et qui accueillait le MT City. Les Olympiennes se sont encore une fois inclinées, comme nous le raconte notre collègue Nassimé Bleu. Après deux défaites consécutives face respectivement au Hussein des Marines et le groupement sportif pétrolier, l'Olympique Club d'Alger se retrouve cinquième au classement. Et donc, gagner ses deux prochains matchs, le premier contre le MT City et le second qui l'opposerait au MC Saïda, allait lui permettre de jouer les premiers rôles. Seulement, à la première rencontre, l'OCA est éliminé de la course des play-offs. Face au MTCT, classé deuxième, qui estime tout espoir et brouille toutes les pistes. C'était un match difficile, je savais dès le début que ça va être un match difficile. C'est vrai que j'ai perdu aujourd'hui contre MTS Sétif, mais je félicite mes joueuses. C'est une équipe jeune, elles sont motivées. J'ai beaucoup de blessés, des joueuses clés de l'équipe, elles sont absentes. Trois joueuses, quand même, c'est pas rien du tout. Plus
J'ai joué sans les joueuses étrangères. Je dirais encore une fois bravo à mes filles. Elles sont encore jeunes. On va continuer toujours à travailler et donner une bonne image de l'océan. Une rencontre qui a vu les Sétifiennes s'imposer totalement sur le parquet de ses hôtes, les Olympiennes, qui ont eu du mal à rentrer en jeu, surtout au premier carton remporté par les protégés de Mohamed Bouledro, 15-8. Au second carton, nous assistons à un jeu très disputé. Les filles de Nadia Tamour se reprennent et les camarades de Ketfi Nesrine s'affirment davantage sur la même lancée. Les deux adversaires se livrent à une bataille sans merci, les fautes se multiplient et les lancers francs inscriront des points dans les deux camps. Le deuxième carton reste sétifien, 39-24. Au troisième carton, le fossé est largement creusé par le MT-Sétif, 60-28. La victoire déjà assurée, les sétifiennes ne fourniront plus d'efforts. Au dernier carton, elles se relâchent et 6 points sont seulement inscrits. Les Olympiennes, elles, vont démontrer une belle prestation. En dépit des efforts fournis, elles n'allaient pas se rattraper. L'écart est pourtant réduit, mais le temps ne joue pas en leur faveur. La fin du match annonce le score de 66-43. Je tiens à féliciter mes joueuses et le staff pour cette victoire. C'était une victoire méritée. On pouvait aller plus dans le score, mais il y avait un petit relâchement dans le quatrième carton. On va travailler ça pour rester bien concentré pendant tout le déroulement du match. Alhamdoulilah, on a mérité notre deuxième place dans ce championnat féminin. Alors on va travailler sur ça dans la trêve qui vient pour bien progresser et rentrer dans les playoffs en force. On a en fait avec le président et les dirigeants, on va faire deux stages. Un stage à Sétif et un autre en dehors de l'Algérie pour bien rentrer dans la période des playoffs et Inch'Allah remporter un titre. Cette année, on a fait un petit recul pour plusieurs raisons. Mais malgré ça, Inch'Allah, on va jouer toujours les premiers rôles. Et je félicite l'équipe de MTS, c'est-à-dire de leur victoire, et merci à vous. À la faveur de ce succès, le MTC-TIF totalise 23 points, maintenant ainsi la 10e place devant le GS Pétrolier. À la 3e place, la GF Cuba et enfin à la 4e place, les UCND Marines. L'équipe de l'Olympique Club d'Alger qui promet une meilleure saison la saison prochaine, 2017-2018. On revient en handball avant de parler de la tradition, le 18e tournoi Ramdan Hamouten, c'était à Tizi Ouzou ce week-end. On revient à notre invité du jour, à savoir Habib Laban, l'actuel président de la Fédération algérienne de handball. On a parlé pratiquement des principaux axes de votre programme. On ne va pas oublier la direction technique nationale. Un aspect qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. On parle, beaucoup de techniciens parlent surtout qu'il n'y a pas eu une DTN très solide. Oui, je pense que déjà, quand j'étais à la fédération, la plus grosse faille, je pense, c'était le fait qu'on n'ait pas installé une DTN. Bon, il y avait une direction des équipes nationales, mais la DTN, elle s'occupe, elle a beaucoup plus de prérogatives du moment qu'elle s'occupe de la politique sportive de toute la fédération. Donc l'une des priorités maintenant, c'est d'installer une DTN assez étoffée pour pouvoir se pencher sur tous les aspects qui concernent le technique à tous les niveaux. Pas seulement les équipes nationales. Inch'Allah. Déjà, on est en train de préparer peut-être éventuellement les personnes qui doivent y être. On peut avoir des noms comme ça ou pas? On n'a pas encore, du moment que ce n'est pas encore définitif et ça doit passer par le bleu, exactement. Le bureau fédéral pour en savoir plus. Alors, est-ce que
Pardon. Est-ce que vous envisagez déjà peut-être de faire appel aux compétences qui sont parties, qui sont à l'étranger et qui ont fait leurs preuves? Alors je vais vous dire, toutes les compétences algériennes, là où elles se trouvent, sont les bienvenues. Maintenant, il faut pas oublier aussi que la fédération n'est pas une fédération qui est très riche, donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont être pris en charge. Et ça veut dire que la fédération maintenant, elle doit subvenir à ses besoins et de manière, autonome, pour pouvoir étoffer, parce que c'est pas seulement la DTN qui doit être mise en place, oui, mais toutes les structures qui doivent travailler main dans la main pour redresser solidifier. Mais quelles sont les opérations immédiates? Je vais vous dire, déjà dans l'immédiat il y a le championnat du monde qui se pointe à l'horizon. C'est une échéance très 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 importante. C'est vrai que moi, quand j'entends les gens me parler, c'est vrai que il y a de quoi être pessimiste, parce que c'est une échéance importante, c'est une échéance de niveau. Vous allez la maintenir en Algérie? Non, bien sûr. Déjà, jusqu'à maintenant, elle est en Algérie et on va se battre pour ça, mais surtout, on va se battre pour qu'on puisse être à la hauteur. On craint un petit peu la prochaine visite des experts de l'IHF. On va faire en sorte que la visite soit positive, par nos relations déjà avec les instances internationales, mais aussi par le travail qui doit se faire très rapidement. Et je pense que les gens sont conscients qu'il faut très rapidement, très très rapidement, faire en sorte que lors de la prochaine inspection, au moins qu'il y ait des points positifs et il y ait des points, parce qu'il y a eu des réserves qui ont été faites, et que ces réserves soient levées. Très bien. Ça, c'est l'information, dernière information du président même, la bouche même du président de la Fédération algérienne. On sait également que vous allez donner un grand intérêt aux jeunes, et en parlant de jeunes, il y a eu ce tournoi à Ramdan Hamoutem, une véritable tradition, puisqu'on est déjà à la 18e édition qui s'est déroulée à Tizi Ouzou ce week-end. Malika Chérifi, notre collègue de la chaîne Amazir, était sur place pour suivre les deux finales. Finale d'abord, on va suivre les images, s'il vous plaît, avec cette finale entre l'école de Sedouk, donc c'est Abu Jaya, et notre équipe de la même région, Ouzellaghen, une finale 100% équilibrée, puisque le score reflète parfaitement la physionomie du match, avec un public fort nombreux qui était présent dans cette nouvelle salle de Tizi Ouzou. 16 buts partout, et c'est Ouzellaghen qui prend les devants, plutôt qui remporte cette finale grâce au tir au pénalty, donc pour remporter cette 18e finale du tournoi Ramdan Hamoutem. Et juste après, il y avait une autre finale, celle des garçons, entre l'équipe, l'école de Constantine, et celle de l'Arba, elle a également disputé. Je parlais d'intérêt accordé à cette frange d'âge, monsieur Habib Laban. Certainement, vous avez suivi de pareils événements à Tizi Ouzou, et vous allez les suivre de très près actuellement, puisque vous êtes président. Oui, bien sûr, déjà ça fait beaucoup de plaisir, ça donne beaucoup de plaisir de voir cet engouement, parce que c'est des jeunes, c'est des cadets, je pense, et il y a tout cet engouement par rapport à cet événement. Il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, donc et en plus c'est des filles et des garçons, donc c'est un point, ou bien c'est un repère très important pour dire que le handball il est partout, il est à tous les niveaux. Le tournoi Hamoutem, c'est un tournoi traditionnel. Il y a d'autres qui existent encore, il y a d'autres qui ont cessé d'exister. Je pense qu'il faut redynamiser tout ça. Très bien. Alors, l'intérêt également est accordé par l'État algérien à travers son ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ouldadi, était présent à Tizi Ouzou pour suivre les événements qu'il y avait, entre autres le handball, les arts martiaux et également la course à pied. On l'écoute, il est au micro de Malika Chérifi. Je suis très honoré d'être parmi les parmi la famille sportive de la ville de Tizi Ouzou, qui
qui est un espace un espace de deux rencontres extrêmement importantes. L'une dans l'athlétisme, c'est l'organisation d'un semi-marathon international, et l'autre, donc, c'est un tournoi qui regroupe des jeunes équipes algériennes venues de différentes contrées de notre pays, l'Algérie, dans le cadre d'un tournoi de hand. Merci à tous les organisateurs, et puis ça fait plaisir de voir un peu donc, toutes ces équipes évoluer d'une manière avec un excellent niveau, et donc qui nous permet d'espérer donc un avenir meilleur. La petite balle, donc la handball algérienne dans les années à venir. Voilà, espérer surtout un avenir meilleur pour la petite balle, pour l'Algérie. Le premier contact déjà avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, puisque vous étiez tout à l'heure en réunion, avant que vous étiez avec les maires. Déjà, je dois dire que nous avons la chance d'avoir un ministre comme ça, parce que il suit tout. Il est là où il y a un événement, toute discipline confondue, il y est. Il encourage les gens, très très proche de que ce soit des athlètes ou bien des dirigeants, et je pense que c'est une chance, et il faut vraiment je pense que pour lui il n'y a pas de sport mineur, tous les sports se valent, parce que ce sont des enfants de l'Algérie et chacun a choisi un sport qui lui convient. Ça c'est pas du tout je ne pense même pas qu'il y ait un sport majeur et un sport mineur. Bon, ça c'est pas par rapport à la popularité après, mais je pense que nous devons d'aider un ministre comme ça. Surtout que l'année prochaine, l'Algérie organisera les Jeux africains des jeunes. Donc se rapprocher déjà des jeunes et avoir leur avis, c'est très important. Oui, bien sûr. De toute façon, il faut pas se voiler la face. L'avenir de toutes les disciplines, c'est sa jeunesse. C'est le travail qui se fait maintenant qui va apparaître après. Donc, si on se focalise pas, si on se base pas sur les jeunes, sur les catégories de jeunes, je pense que l'avenir n'est pas du tout assuré. En ajoutant ça, la prestation de l'équipe nationale de handball des U18 au championnat méditerranéen, les filles se sont classées à la 8e et dernière place. Donc le travail. Du travail sur la plage. Voilà, vous avez déjà du travail sur la plage. Oui, mais je pense qu'un championnat méditerranéen, c'est un championnat qui est relevé, parce que c'est les meilleurs européens, c'est les meilleurs au monde. Mais je pense que c'est une équipe à encourager, il faut travailler. Il manque d'expérience. Exactement. Très bien, on reste à Tizi Ouzou pour parler cette fois-ci de course à pied. Le semi-marathon, une tradition là également, semi-marathon de la Kabylie. Il y avait une très forte présence, comme nous le décrit notre collègue Nassim Emloul. La ville de Tizi Ouzou était au rendez-vous ce vendredi avec la 9e édition du semi-marathon Kabylie. Tout le monde est très content, soit les athlètes. Donc là, l'accueil hier soir, le 30, on les a hébergés, on les a donc, fait manger dans des bonnes conditions. Participation, donc on a 824 participants, 30 à Mobilaya, donc 64 femmes, 820 hommes. Donc je remercie tout l'ensemble des organisateurs. L'association des Amis de la course à pied vient d'organiser la 9e édition sous le patronage de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la DGS, la Wilaya, la PUI, la PC de Tizi Ouzou, la Ligue d'athlétisme, ainsi que tous les autres qui ont l'habitude, la DE, etc. Donc je tiens en premier lieu de féliciter l'ensemble des athlètes qui sont venus des 33 Wilayas. Une participation record, 884 coureurs, femmes et hommes de différents âges, représentant 33 wilayas, étaient sur la ligne de départ sur le barrage Taksapt à Ouad Issi pour un parcours de 18 km avant d'arriver au centre-ville. Sinsina. 25 ans de diabète. On a hébergé. On a hébergé à la fin des semi-marathons. On a hébergé à la fin des religions. Bon, nous sommes dans la 9e édition du semi-marathon du Kabylie. Le club, la DCP, l'association qui organise chaque année. Je tiens à rendre un grand hommage aux gens de la DCP. Avec peu de moyens, ils ont quand même à réussir un marathon, ici même des plus réussis de l'Algérie.
et Mahmoud Souleyoukli. Alors, je viens pour participer à ce 9e semi-marathon qui se déroule chaque année à Tizi Ouzou. Et je remercie tous ceux qui sont venus pour participer. Abdelaziz Guerzi a honoré sa ville Chlef en arrivant premier, suivi de Slimane Moulay, de Nasser Anounou Alger et enfin Haroun Salhi à la troisième place. La course était d'un bon niveau, très compétitive. Je remercie Dieu, j'ai su mener la course et j'ai été classé deuxième. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé ainsi que les habitants de la ville de Tizi Ouzou. Chez les dames, la protection civile verra deux de ses athlètes, Medika Benderbel et Nassima Sabour, s'adjuger la première et la seconde place. La troisième place est revenue à Nassira Abbès de Béjaïa. La course est d'un bon niveau, à la hauteur du niveau des athlètes. Je remercie Dieu. Avec la complicité de ma collègue Nassira Sabour, on a pu gagner. Tizi Ouzou est connu pour son dur parcours. Il a fait chaud et avec ma collègue, on s'est lancé et réussi à s'imposer dès le début de la compétition. Le reportage était signé donc Malika Chérifi et le commentaire Nassima Emou. La dernière minute, on va la consacrer à notre invité Habib Laban, président de la Fédération algérienne de handball. Une question concernant le championnat, c'est une promesse que vous avez déclarée dernièrement, un championnat professionnel dans peu de temps, dans 2-3 années on va dire. Inch'Allah, c'est un objectif, c'est plus qu'une promesse. C'est faisable, oui, bien sûr que c'est faisable. Maintenant, il faut y travailler dès maintenant, parce que c'est bon. J'ai pour objectif que ce soit dans 3 ou 4 ans, mais c'est maintenant que ça doit commencer à travailler et que les clubs déjà commencent à se structurer trouver des ressources, et parce qu'il y aura sûrement un cahier des charges qui va être mis en place, et que les clubs qui prétendent être professionnels, ils doivent répondre à ces cahiers de charges. Et c'est un cahier de charges quand même qui est assez assez large. Ça concerne le côté sportif, administratif, enfin beaucoup de volets. La prise en charge des équipes nationales, senior messieurs, senior dames, ça sera après le mondial U21. Oui, déjà l'équipe senior garçon, je pense qu'elle va être issue de l'équipe des U21. Exactement, on est en train d'y travailler. Et juste après le championnat du monde, on va leur donner un petit repos et après reprendre le travail parce qu'il y a le championnat d'Afrique qui nous attend. Le nom d'un entraîneur, pas pour le moment ? Pas pour le moment. Étranger algérien ? Les deux suppositions sont vraies. Très bien. Vous restez partenaire de la télévision, puisqu'elle a accompagné le handball pendant plus de 50 ans, on va dire, depuis l'indépendance. Oui, il n'y a pas de raison pour que ça cesse. Voilà, c'était le dernier mot optimiste, on va dire, du président de la Fédération algérienne de handball, à qui on souhaite bon courage. Merci d'avoir été parmi nous. Peut-être un message à la famille du handball. Enfin, je pense que le message est clair, c'est que tout le monde doit se mettre au travail, travailler la main dans la main, et que l'intérêt du handball soit au-dessus de tout intérêt. Très bien. Le dernier mot revient à notre consultant Abdelmer Belkhir. On vient de voir, on n'a parlé que de jeunesse aujourd'hui, c'est peut-être le futur du sport algérien, qu'en pensez-vous ? Oui, la jeunesse représente les forces vives de la nation, hein, dans tous les domaines pratiquement. Et puis le fait d'investir pour cette catégorie-là restera quand même l'investissement le plus sûr pour le sport algérien. Merci beaucoup Abdelmer, merci Yahiba d'avoir été parmi nous, merci Habib Laban, bonne chance dans votre nouvelle mission. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro, le 26e numéro de la saison. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, à sa tête, donc notre réalisatrice Wafa Al-Rawati, notre script.